Alors, sixième vidéo de votre projet sur la forme ABA. J'ai enregistré ma section A, j'ai mis une section B et j'ai dupliqué ma section A pour avoir une troisième section ici qui est pareille, identique à ma première. Oui, on va pouvoir l'altérer un peu, mais pas pour l'instant. Là, on va travailler sur la section B. Bon, la section B, elle, on va faire quelque chose de beaucoup plus facile. On va utiliser les boucles Apple. Donc, les boucles Apple, c'est des échantillons de musique qui ont été préenregistrés, okay, qui peuvent s'ajuster au rythme. Attention, il y a énormément de Apple Loop. On peut les naviguer en utilisant des critères par instrument, okay, par genre, ici, okay, ou par descripteur, genre joyeux, brut, groove, mélodique, etc. Je vais écouter. En fait, moi, ce que je veux, okay, la section B, le mot d'ordre, c'est quelque chose de contrastant. Contrastant, ça veut dire quoi? Ça veut dire le contraire de. Donc, le contraste avec noir, c'est blanc. Le contraste avec bruyant, c'est doux. Le contraste avec heureux, c'est triste, etc. Un contraste, c'est l'opposé. Donc, j'écoute ma première section et je me rends compte que c'est assez joyeux. Okay, j'ai envie de me promener en voiture en écoutant ça. Je vais essayer de trouver le contraire. Je vais utiliser les descripteurs. Okay. Pour, bon, sombre. Sombre, ça serait le contraire de qu'est-ce que je viens d'entendre, contraste. Sombre. Électrique. Putain, on va essayer électrique. Puis, on va voir qu'est-ce que le résultat est quoi. Regardez en bas, j'ai 201 éléments. On va regarder. OK. Alors, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas fouiller en ligne parce que je veux garder la vidéo courte. Vous, vous avez le temps. Vous pouvez fouiller. Moi, j'ai trouvé mon premier contraste. Je vais amener ça ici. Et attention, il faut absolument que mes Apple Loops ne soient pas sur les mêmes pistes que mes instruments en verre. Okay? Donc, j'ai mon premier contraste ici. Je vais en utiliser un autre. Okay? Donc, pas lui quand même. J'ai déjà. Je vais utiliser lui. Comme ça. Là, je ne fouille pas trop encore une fois. J'aurais pris plus le temps si j'avais. Si je pouvais faire des longues vidéos, mais j'ai pas envie, donc j'ai déjà quelque chose de semblable. Je vais essayer. Je vais prendre ça. Comme ça. Puis je vais essayer d'écouter ça. Qu'est-ce que ça va donner ensemble? Parfait. Alors, on s'entend que c'est contrastant. Je veux à la section B que vous ayez au moins trois Apple Loops comme ça. Absolument. Donc, votre projet devrait ressembler à ceci. Et ça conclut cette étape.